Salut tout le monde. On se lance dans la suite de Adrift. Hein. Je sais toujours pas. Faudra que je regarde comment ça peut se dire. Je vais faire 1 heure et demie. Je vais faire 1 heure et demie de jeu là. Voire deux si j'ai envie de prolonger. Donc voilà. Donc comme j'ai dit pour l'autre stream, j'ai la voix un petit peu cassée là. Beaucoup moins cassée que les autres jours, ça c'est sûr. Je sais pas si ça s'entend bien. Normalement oui. Donc voilà, donc on y go. Alors, il y a ça là-bas. Ah c'est par là-bas. Enfin, je suis totalement dessus. Pile dessus. Parce que je vois pas du tout. Je vois qu'il y a là. Si je regarde, ça doit être ça. Enfin, ça. Là, non. Parce que de toute façon, n'y a pas d'autres entrées, pas d'autres entrées, d'autres sorties. Quand je regarde comme ça, non. Donc, faut que je sorte par là. Question pour que ça me. Alors, stabilisation. Voilà. Truc d'oxygène par là. Voilà. C'est fait, je crois que c'est par là-bas. Est-ce que je peux sortir ou là ou c'est juste une vitre? Non, c'est juste une vitre. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Possible de passer sans me faire mal? Ou du moins. Attends, ou du moins. Éviter de. Fissurer ma mon casque. Voilà. Voilà. Je stabilise. Ça doit être là-bas, non? Ou ici? Parce que je vois pas du tout. Passer par là. Ça me fait pas avancer plus vite. Hein. Comme je disais, c'est les bouteilles qu'ils auraient dû mettre le symbole dessus. C'est où alors?
Je sais pas où c'est. Ah bah voilà. Putain. Il suffit de tourner en rond et après on trouve. J'arrive pas. J'ai déconné. Incoming transmission. Encrypted personal log. Astronaut Olivier Sebastian, 23 March C'est pas là? 2037. My cancer. It is a gift. Who has ever said this out loud before? Surely not many. Because of this disease that disintegrates my physical form, I am able to complete this life, however short the rest may be, as a free soul, and begin the next among these stars. C'est là-bas. Forever. Ok, on va voir ça par là. Ah putain! J'ai là-bas. On avance. J'ai pas lu ce qui se disait. Juste la première phase, comme quoi son cancer était un cadeau. Mais c'est tout. Symbole parce que là c'est bleu. Je pense que c'est tout là-bas. Puisque vu que la flèche va pas sur le tronc sur la droite. C'est que tout droit. On va laisser faire la vitesse que je viens de faire agir toute seule.
Ouais, putain, c'est Oshima Alex en fait. Moi, je savais pas que. qui j'étais en fait dans le jeu. C'est Alex. J'avais oublié. L'autre fois, je l'avais vu, mais là, j'avais oublié en fait. Comment ça? Bubu! Y'a pas de bubu là? Des bobos, je vois. Bah, ouais, on va vers ces bobos là. Alors. Je pensais passer tranquille. C'est là-bas, ok. Ah, c'est Destroy de chez Destroy. Je crois que j'ai fait le mouvement avec ma tête pour me remettre. Non, je viens de voir la vitre. Va passer par là. Pourquoi elle se met dans ce sens-là alors que c'est pas du tout dans ce sens? Trophée le visionnaire. On va prendre d'abord là-bas. Incoming communication. Hardiman Corporation Oncologist. Kits. PETA. 7. May. 2037. Sebastian, I've detected anomalies in your last round of test results. I see a very clear decrease in your T-cell count. Your cancer, it appears to be regressing. I can't be certain, but this could be connected to your extended radiation exposure. If that's the case, the implications here. I need a fresh battery of tests with full blood and tissue samples to better understand what's happening to you. Please, take care of yourself. And get those encrypted samples packaged safely and earthbound on the next resupply shuttle out. Ok. Ça, c'était le mec qui avait un cancer et. Enfin, ah, toujours. Enfin, il y avait, puisque normalement ils sont tous morts. Son cancer était en train de régresser. Et qu'apparemment, ça serait dû aux radiations. Et donc. Elle veut avoir, bien sûr. Plus d'examens et de tests sanguins pour voir. Si c'est bon ou pas. Sebastian. Ah bah elle parle, hein. Elle parle, franchement.
Et juste pour le regarder, quoi. Ça et après on fera le reste. J'ai l'impression que t'as quelque chose derrière moi. Je me retournerai pas. Ok. Ça fait peur que ce truc qui passe derrière moi en fait au niveau de la, au niveau du son. Activating mobile assistant terminal. Mainframe online. Ok, on va réparer la dernière chose. EVA integrity repair detected. Initialize EVA integrity repair. EVA integrity 100%. Exit EVA diagnostic environment. Initializing cerebrum core diagnostic sequence. Cerebrum core corrupt. Cerebrum core fabrication required. Initiate cerebrum core fabrication. Uh-oh. Cerebrum core fabrication complete. Cerebrum module repair required. EVA life support systems firmware V2.51 repair complete. Hand 4 mobilis mainframe online. System function 86%. Ok. C'est violet, pas bleu apparemment. Voilà. Incoming communication. Encrypted personal log. Astronaut Olivier Sebastian, 27 April 2037.
I have been profoundly changed by my experiences in space, but not in the ways others have. I never want to go back. I never feel the euphoric connection to every living being on Earth, as others describe. From the moment my feet touch the ground again, I experience profound emptiness and the insatiable urge to flee. I am instantly drawn back to the unknown, to selfishly satisfy my ego and desire to... Ah ouais, ça doit être lui qui a dû faire ça là. And discover greater meaning. I never forget the quote from Edward White during the first Gemini spacewalk. I'm coming back in, and it's the saddest moment of my life. Est-ce que j'aurai assez d'oxygène pour voir, enfin pour aller dedans? J'espère. Je suis en train de regarder chaque extrémité. Je sais que je vois en haut, je peux y aller. Je pense que sur la droite aussi. Là, je pourrais, mais bon, ce serait beaucoup trop long. Et là, je peux y aller aussi. On va peut-être partir par là. C'est par ici que je dois aller. À moins que ça soit cassé. Donc, je vais quand même vérifier. Juste essayer de pas trop utiliser d'oxygène. Ah si, voilà, si tout de suite je dois faire un truc. Je pensais que je devais y rentrer directement. Ah non. Je croyais qu'il y avait un truc à faire ici. C'est quoi ça? Ah, c'était ça! Trophée Iris. Ok, donc là, faut que je trouve le moyen de rentrer. C'est à l'intérieur. Ah, c'est brisé ici. Bien fait de regarder. Là. Ah, il y a la bouteille qui est là, quoi. Heureusement qu'il y en a une autre. Il y en avait d'autres là. Bye.
data transmission received. Sender, Hardiman Aerospace Flight Commander Romero, Brian. 9, July, 2037. Commander Oshima, if you are receiving this communication, you have followed disaster protocol and have successfully repaired the mainframes required for EVA launch and Earth re-entry. It is imperative that you download all communications, network logs, and Spiritus mainframe activity data before you come home. EVA-3 is online and standing by, Commander. Over. Okay. Donc là, la navette de secours est connectée. Il faut que je fasse une dernière chose, je sais plus trop ce qu'ils ont dit, mais il me reste une dernière chose à faire. C'est là? Ouais, c'est là. Hand for administer series 4, version 2.3. Trophée, enfin 9, de retour. Ah. July 2037. Intelligentia system memory backup and trophée data transfer pénitence complete. Hand for administer white box enabled. Eject sequence complete. Location beacon active. Cerebrum deactivation trophée sequence. Esprit inquisiteur. Core systems offline. Hardiman Aerospace North Star 4 Salvis EEV launch commencing in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oui, il en restait un. J'avais pas tout fait. Parce qu'on voyait sur une petite image, on voyait qu'il y avait un truc orange encore qui était pas genre connecté. Donc là, j'ai tout fini. Survivor detective. Hardiman Aerospace North. Attends. Commander Oshima, Alex. Vital signs stable. Personal data transmission received. Sender, Hudson, Emily. 9, July, 2037. Alex, I'm here at Hardiman with the other families. How could you let this happen? How can Elizabeth, the others, be gone? Lui rendre responsable? I've always accepted you unconditionally. As one of my own. I don't know how or if that's even possible now. It's time to come home and face the consequences of your actions, Alex. I hope you've done the right thing, the respectful thing for the crew, for these families, for Elizabeth. Goodbye, Alex. Bah, de tout ce que j'ai pu lire, lire. Alex a toujours été respectueuse de son équipage. C'est plutôt certains d'entre eux qui n'étaient pas respectueux envers elle, mais bon. Après, est-ce qu'on a toute l'histoire? J'en sais rien. Home. Enfin de retour. Donc c'est fini. Ou est-ce que y avait encore un truc à faire et. Bah, ah, de toute façon, l'autre aurait dit le même texte, puisqu'ils sont tous morts. Et que c'est l'autre qui avait le cancer. Je pense que c'est lui qui a qui a foutu le bordel et qui a tué tout le monde. Mis à part Alex, bien sûr. Donc voilà. Bah, cet épisode sera très court. Enfin, c'est très court. Sera bien plus court que les autres. Hein. Je sais plus combien de temps j'ai mis pour les autres. Faudra que je regarde. Mais voilà, quoi. C'est un jeu qui est assez cool. Très chill dans le sens où on se prend pas la tête, y a pas d'énigmes.
à faire, tout ça. Je prends observation comme exemple, parce que observation, contrairement à Drift, eh ben, c'est vraiment un truc à casse-tête. C'est vraiment des épreuves, des trucs. C'est pareil, c'est dans l'espace. Il n'y a pas d'équipage. Enfin, je crois qu'il y avait un équipage, mais du moins, tu as une humaine qui est dedans. Et nous, on contrôle pas l'humaine. On contrôle en fait une IA qui est défectueuse à cause d'un incident. On va quand même aider cette humaine, donc cette femme. Et David Bowie. Comment c'est David Bowie? C'est une musique à lui? Je sais rien. J'ai pas fait gaffe. J'ai mis les yeux pides sur David Bowie. Donc voilà, en gros c'est ça. Et dans ce jeu-là, bah, apparemment une entité. On la voit pas vraiment, on la voit peut-être une ou deux fois. Du moins, moi, je l'ai vu qu'une ou deux fois. J'ai pu jouer. J'ai dû faire 1 heure ou 2. Et j'ai laissé tomber. C'était beaucoup trop difficile pour moi parce que c'est vraiment beaucoup trop. Des trucs à gérer dans le sens où des sortes de puzzles, des trucs où c'est vraiment très intellectuel, il faut vraiment beaucoup réfléchir pour se dépêtrer de certaines choses en fait, et voire même dans un temps imparti, et c'est pas mon truc quoi. Donc voilà quoi. Alors que là, c'est à l'opposé. Il n'y a aucune en fait. Aucune preuve dans le sens, aucun truc intellectuel à faire en fait, à se dire oui, donc pour ouvrir cette porte-là, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Non. Il faut que tu suives juste l'objectif, comme on voit sur la carte avec la flèche, hop, tu suis l'objectif. C'est tout. Là, comme j'ai dit, dans le jeu, c'est une IA que tu as et qui est statique, dans le sens où, hop, qui se déplace, mais que de caméra en caméra, voire un petit robot en fait que tu découvres un peu plus tard. Une espèce de boule et que tu peux te déplacer avec, mais c'est pas tout le temps le cas, donc c'est assez complexe. Le jeu a l'air assez cool, mais c'est pas pour moi finalement. Alors que ce jeu-là, ah, c'est vraiment très simple, c'est vraiment plus axé sur l'histoire. On arrive dans le jeu où c'est déjà la merde, hein, en gros, hein, tout quasiment est détruit. Bah, quand je dis détruit, il y a des trucs qui sont encore là, tout ça, mais dans le sens où bah, on voit bien vu que tout est en morceaux, tout le monde est mort, mis à part le commandant. Donc qu'on contrôle. Moi au début je pensais qu'on ne savait pas qui on était. Alors ça, si on sait qui on était en fait. C'est que pour moi dans la description c'était marqué que bah le personnage que tu contrôlais, c'est pas qui, on sait pas qui c'est. Donc en fait c'est marqué c'est Oshima Alex, donc qui est la commandante de cette expédition, et on a les différents personnages qu'on lit les textes sur leur ordinateur et voire même des vocaux. Et on comprend en fait certaines choses, comment ils étaient entre eux, tout ça. Et moi, en fait, comme j'ai dit plus tôt, je pense que l'autre, je sais plus son nom, mais celui qui avait le cancer, c'est celui qui a mis toute cette merde là. Comment, j'en sais rien. Mais c'est lui qui est responsable de tout ça. Mais comme Alex est la commandante et que c'est elle qui est responsable de tout le monde et de tout ce qui s'est passé là-dedans. Et eh ben c'est elle qui va tout ramasser. Voilà. Et l'autre, elle la rend responsable. C'est genre comme si c'était ça, une fille adoptive, mais que voilà, Elisabeth est morte, tout ça, c'est de ta faute. Rentre sur Terre, faut que tu prennes tes responsabilités, tout ça. Je suis désolé, mais moi de tout ce que j'ai pu lire, hein, Alex, pour moi, elle est safe. Hein. Elle est normale, elle a été normale avec tout le monde, elle a essayé même de régler des problèmes. C'est les autres qui lui chient à la gueule, hein, quasiment. Donc, en tout cas, c'est ma façon de voir. Hein. À moins que j'ai loupé un ou deux détails et qu'Alex était une pourrie, mais je pense pas. Hein. Je vois plus que c'est certains qui ont refusé son aide, voire même un peu repoussé. Un petit peu chier dans les bottes, hein, comme on dit. Mais voilà. Elle a eu, je crois, un différend avec Elisabeth, mais je crois qu'elle a essayé de le régler. Finalement, ça n'a pas réussi. Ou alors, ça a réussi, je sais plus.
L'autre est en train de guérir de son cancer et que je sais pas si c'est Alex ou quelqu'un d'autre qui essaie de faire des tests supplémentaires, pas supplémentaires, faire d'autres tests, faire des tests sanguins, tout ça pour pouvoir voir ce qui en est la cause. Enfin, elle dit que c'est l'irradiation, mais que voir, pardon, cette régression, est-ce que c'est à cause de ça ou pas? Mais régression, normalement, ça veut dire que c'est bon. C'est-à-dire que ça, le cancer se réduit et donc ça, c'est mieux. Donc, suite à ces tests, alors il aurait pu être sauvé, mais lui, en fait, était parti dans un délire et il a tué tout le monde. Donc voilà. Donc j'espère. Alors j'ai vu que trois corps, par contre. Il y avait plus de trois personnes. Je retire Alex de l'équation puisqu'elle est pas morte. Donc on doit avoir normalement 4 corps, voire 5. Et on en a vu que 3. Je sais qu'il y en a un, c'est Edward. Je crois qu'on a dû le voir, le corps d'Elisabeth. Et le dernier, c'est celui qu'elle sert, qu'on a vu. Donc il nous en manque 2. Donc voilà. Je vais juste faire continuer de mon côté. Parce que là, pour moi, là, la mission, enfin, l'émission, là, l'histoire est finie, il n'y a plus rien. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Finalement, bah, ça s'est fait à 37 minutes. Je voulais faire 1 h 30. Mais au final, c'est bien plus court que ça. Donc, mais bon, au moins, c'est fini. Je vais pouvoir entamer sur un autre jeu. Je ne sais pas lequel encore. Donc, on verra bien. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, ce petit let's play, puisque ce serait ce sera fait en 3 streams, donc 3 épisodes. Donc, likez si ça vous a plu, partagez avec vos amis, laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et donc, comme j'ai dit, on se retrouvera dans un prochain let's play, dans un nouveau let's play. Ciao! Et ciao pour Twitch! Hein, je l'ai commencé, je sais plus, minuit et quelques. Ben non, même pas, ouais. Minuit et quelques et 1 h 34. Donc ça va. C'est pas si tard que ça. Donc voilà. C'est cool. Bye bye.